No disrespect, but that's how I am. Ok. Salut à tous, c'est P3P. On se retrouve pour ce troisième épisode du Let's Play Pandora's Tower. Du Let's Play de Pandora's Tower. Dans le dernier épisode, nous avions suivi toute une cinématique soporifique. Nous pouvons dire soporifique. Où nous avions su le nom de l'autre, là, la vieille grand-mère qui s'appelle Mavda, et de son vieillard qui me fait toujours rire, je sais pas pourquoi. Elle nous avait donné une chaîne qui permettait de nous lier à Elena, et là nous pourrons aller dans le fameux donjon qui nous attend et que nous allons conquérir. Oui, je me demande comment va Elena. D'accord, trouver Elena avec Z. Voilà, je vais trouver Elena avec Z. Salut Elena. Alors que là je vais lire, d'accord, hein, voilà. Bonjour Aaron, on peut dire qu'hier était une longue journée, pas vrai? Je suis encore, oui, très longue. Je suis encore un peu étourdi, mais ça va. Merci de t'inquiéter pour moi. Voilà, j'ai pas envie de offrir des cadeaux. L'affection, celle-ci influe sur le destin. Le destin, c'est le truc avec les flèches vertes. Oui, alors là je tourne cette vidéo, le troisième épisode, juste après avoir tourné l'épisode 2, donc je n'ai aucune réponse, je n'ai posté aucune vidéo. Offrir un cadeau, qu'est-ce que je peux lui offrir d'intéressant? Pas une épée, non, ça m'étonnerait. Pièce de... Oh, on verra plus tard. Parlez. Manger la chair de maître lèvera la malédiction, mais c'est si dangereux pour toi, Aaron. Retour. Qu'est-ce qu'on s'en bat les... Non. Restons polis. Créer, améliorer, acheter et vendre des objets. D'accord. Voilà Mavda et son vieillard. Je pense que cela, je vais bien les aimer. Faites comme chez vous, vous allez rester ici un moment. Trop petit point. Vous ne pouvez pas trop vous éloigner, l'armée vous cherche. D'accord. Ils sont encore à notre housse. Ils sont encore à notre trousse? Sans aucun doute, mais ici, vous êtes en sécurité. Où sommes-nous? Dans l'observatoire que l'armée d'Eliria utilisait pour garder un œil sur les 13 tours. Mais personne n'y vient plus, je doute qu'ils vous cherchent ici. Je vois. Tu comprends vite, toi, hein? Bien, tu sais tout. Hi, hi, hi. Et j'aime bien quand tu fais hi, hi, hi. Bien, c'est l'heure d'ouvrir la boutique. Acheter, vendre. Ok, d'accord. Aïe, tu peux acheter des cadeaux pour Elena. Excusez-moi pour les turbulences du métro, hein, juste comme ça. Alors, je vois pas pourquoi je t'achèterais des trucs parce que j'ai pas envie de te faire plaisir. Créer, réparer, d'accord. Créer, c'est ce que j'ai à créer. Tout. Avec. Faites de matériaux simples, elle sert à protéger qui la porte. D'accord, ok. Passer mon sac, je sais pas, je découvre. Je l'avais pas fait l'autre jour, je découvre. Je fais n'importe quoi aussi. J'ai l'impression de faire n'importe quoi quand je fais des trucs comme ça. Oh, ça j'en ai. Ok, améliorer les armes. Je vais voir si je peux. Je pense pas puisque j'ai pas beaucoup d'argent. Hop. Il me manque un truc. J'ai une pièce de métal, il m'en demande zéro. Requis 1, ah non. Requis 1 et j'en ai 0, d'accord. Voilà. Ok, parler. Mais non, qu'est-ce que je fais, moi? Non, retour. Retour, voilà. Récolte de l'horreur. La récolte de l'horreur. Les rumeurs se déchaînent depuis le chaos qui s'est produit lors de la fête de la récolte. Toutes ces rumeurs partagent un point commun. Une jeune fille transformée en monstre. La chanteuse de la fête s'est transformée en une bête monstre, montrant ses crocs à la foule rassemblée. L'armée d'Eliria n'a fait aucune déclaration depuis l'annonce selon laquelle il n'y avait aucune victime, mais on pense qu'ils recherchent activement la jeune fille et ses compagnons. Quelle est la véritable histoire? D'accord, à bientôt. Salut! On va faire un petit tour. On va laisser une trace de tout ce qui est arrivé jusqu'à présent.
Je vais pas appeler ma vidéo. Je vais m'installer correctement. Excusez-moi pour le micro. Hop là. Sauvegarde possible. Oui, je sauvegarde. Voilà. Allez, hop, hop, hop. T'es content. Je vais sauvegarder. Continue la partie. Oula. Je fais quoi en premier là? Bon, le coffre. D'accord, c'est pour poser des trucs dans le coffre. On va voir ce qu'il y a à l'étage parce que j'ai pas été voir. Oh, là-bas, il y a le lit, je pense que c'est pour se reposer. Oh. Franchement, ils ont une belle baraque. Hein. Je dois avouer qu'ils ont une jolie baraque. Même si elle est un peu vieillotte. Se reposer, j'ai pas envie parce que j'ai toute ma santé. Là-bas, c'est la sortie. Là, je sais pas. Vers la cour. Vers la cour, d'accord. Les escaliers montent jusqu'au toit et descendent à la cave. D'accord. Oula. Salut la colombe. Alors par contre, ce genre de vue là, ce genre de caméra, je peux pas, mais je peux vraiment pas blairer. Je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Je pense que pour la plupart des gens, c'est pareil. C'est impossible de contrôler, j'y arrive pas. Alors descendons la cave. Je pense qu'en fait, ce sera plus une visite. Lampe. Cette lampe est encore utilisable, il devrait faire aller. Je pense que cet épisode sera plus une visite de l'observatoire qu'un début dans un donjon plutôt. Hein. Mais quoi, il n'y a rien là. Je suis vraiment désolé, donc du coup. Oh, restaurer la chaîne. La chaîne d'Oraklos est le trésor de notre peuple transmis de génération en génération. Le pouvoir caché dans cette puissante chaîne va croissant et représente la pierre angulaire de tous les dons et de toutes les capacités mystérieuses de notre peuple. Sa puissance n'est cependant plus celle d'autrefois et nous ne pouvons plus l'utiliser comme le faisaient nos ancêtres. Pour que les Vestra retrouvent leur grandeur passée, la chaîne doit récupérer sa puissance. Exact. Oui, donc je disais ce sera plus une visite de l'observatoire qu'une entrée dans le donjon, et je pense que ce sera au quatrième épisode que là, réellement, on entrera dans le donjon et on découvrira les petits monstres qui nous attendent là-bas. Salut les piafs! Alors, franchement, comment vous pensez? C'est vraiment français. Qu'est-ce que vous pensez de l'environnement? De l'environnement graphique? Franchement, moi j'adore le dessin et là je trouve que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien dessiné. Regardez ça. C'est pas beau. Là je me retourne. La classe qu'il a pas, mon pote. Voilà. Là-bas c'est les 13 tours. Nous sommes juste à côté de la brèche. De la brèche avec un B majuscule. Attendez. Je regarde juste un truc et c'est bon. Voilà, 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 voilà. Hop, retournons. Alors, je suis à 8 minutes. 8 minutes. Ouais, allez. Est-ce que je le fais? Bon, allez, j'y vais. Ouais, allez, c'est parti. J'étais en train de réfléchir si j'y allais ou pas, vu qu'il me restait que 4 minutes environ. Oui, tour de l'arbre, oui. Pourquoi je vais tout au bout alors qu'il me l'avait indiqué? Tour de l'arbre. Le voilà. Quand Aaron est dans les tours, la jauge ronde se vide et représentant l'avancée de la malédiction. Ah oui, d'accord. Remplissez la jauge en donnant à Elena de la chair de tour. Oui, non, mais elle va pas m'accompagner non plus. D'accord. Ça, j'aime bien le casser. C'est toujours... Hop, je ramasse. Je ramasse, tu dis. Voilà. Admirer quand même les dessins, franchement. Voilà. Bon, par contre, si vous voyez des pots comme ça, des caisses qui se cassent comme ça, vous m'appelez. Hein. Prenez une photo, vous m'appelez. C'est quoi ce petit truc? Pourquoi il m'indique? Ah, ça doit être de la vie. Mais j'en ai pas besoin. Je suis plein. Oui, d'accord. Ok. Il me demandait. Ah oui, merde, je vais frapper comme ça. On appuie sur A pour frapper, c'est chiant ça. Dommage. Voilà. Pourquoi je perds du temps à ramasser tout ça, moi, alors que j'ai du temps imparti? Voilà. Et je continue en plus. Oh, le petit méchant.
Alors, bon, il est là. Hop là. Ça, c'est trop bien, on peut zoomer et tout. Voilà, je l'ai enchaîné et je peux le frapper autant que je veux. Oui. Attention. Oups. Olé, comment je t'ai esquivé. Pou. Pou. Et une bonne frappe. Dans la tête. Mais en fait, il est jamais mort. Esquive. Hop là. Je récupère des grands os. L'objet dépend de la partie du corps liée. Ah ouais, d'accord, on peut viser la partie du corps. Oh, astucieux. Oh là, je ramasse. Hop, j'avais du mal, je trouvais pas ma touche. Alors. Boum, bien d'accord. Ah mais pourquoi il vient pas? Ah oui. Ah oui d'accord. Oh. Tiens, prends ça. Bon alors, on voit que le système de combat est pas vraiment super. Même si c'est une idée originale, la chaîne. Dégage. Voilà. Oh. J'ai commencé aujourd'hui mon affectation dans les 13 tours. Mon travail consiste à transporter de la nourriture et des médicaments pour l'armée destinée à être conservée dans un lieu appelé la tour de l'arbre. C'est là où nous sommes. Tandis que je portais les caisses qui m'avaient été attribuées, j'ai vu toutes sortes de choses étranges et surprenantes. J'ai vu un arbre immense qui pousse tête en bas et de curieuses épines bougeant telles des animaux. Plus on monte haut dans la tour, plus on croise des merveilles. Je n'imaginais pas un instant assister un jour à des choses aussi bizarres et fabuleuses que je crois que cette affection va me plaire. Putain, j'ai trop de mal à parler, moi. Un petit coffre, je crois. Oui. Là, je me souviens qu'il y a un truc. Hop, hop, hop. Voilà. Hop, hop, hop. Hop là. Oui, alors c'est un système assez original, la chaîne. Attendez. Voilà, tu repars en bas, toi. Oh, comment je l'ai envoyé ! Trop fort ! Il y a quoi là-bas ? Ah, il y a un autre truc là. Oh. Croc de bête. Ce sera pour ma femme, elle aime bien manger des trucs bizarres. Oh ! C'est quoi ça? Alors la première fois que je l'ai fait, c'était des petites guêpes. Alors que là, je tombe sur des gros machins. Oh, je l'ai attrapé à la tête. Je l'ai attrapé à la tête. Viens là. Oh, comment je l'ai tué? Oh là là. Oh merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave, excusez-moi. Tiens, je l'attrape à la tête. Allez, viens. Je suis rendu à 13 minutes. Et là, je tire. Oh, il m'a frappé. Ouh, aïe, aïe. Esquive. Hop là. Putain, mais mon épée, elle fait rien du tout. Je vais attraper les pieds là. Chair de bête, voilà, j'ai de la chair de bête. Bon alors, je suis rendu à 13 minutes. Ah bah voilà, on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. Hop. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ce troisième épisode. On se retrouve prochainement pour un quatrième épisode où là, je continuerai ce donjon puisque nous sommes entrés dans le donjon. Alors je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure où je la poste. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.